Nous sommes sur le dernier ajout au Xbox Game Pass du jour, Skull sur Escurrier, qui a Hero Slayer, je sais pas ce que c'est dire, ne nous demandez pas, qui a un putain de bon de son. Ouais, la bande son elle pète, hein. Je crois même que j'entends moins ma voix que le son. Achou. Bon, je vais fermer ma gueule, hein. Je vais vous laisser vous lire. Lisez vous-même. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ne me dites pas que c'est ça! Et la bande-son elle pétait l'accueil! L'accueil du jeu il était. Waouh! La couleur, tout! Ça pétait, tu vois, ça donnait envie! Et là, je vois ça et ça me fait peur! Mon dieu! Mon dieu! J'ai revendu ma Mega Drive, hein, et mon Atari, hein, et ma Master System, hein! Tout est revendu hein, depuis longtemps, hein, c'est bon quoi, ça fait plus de 30 ans que je joue, c'est pas... Et je augmente de console en console, c'est pas pour en venir derrière. Putain... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Eh, vous avez une Series X à 500€ la console. 500€ la console pour jouer à des jeux. Putain de dieu de merde. Oh mais putain. Bon bah il fait des super sauts. Voilà. Est-ce qu'il tape sur X, y'a pas. Oh là. Ouais. Bah moins de 5 minutes hein les gars. Allez, on y va, à fond la caisse, on tape dans le tas. Oh là 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 là, mais quelle horreur, hein, putain. Ne me dis pas que les graphismes vont être comme ça tout le temps. Hein. C'est quoi cette horreur? Oh là là. Oh, en plus, c'est un chat, j'aime pas les chats, je préfère les chiens. Oh là 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 là, quelle horreur. Oh, on passe, ça me gave. Oh putain, ça me gave. Putain, en 2022, sur Series X. Oh putain, grave de grave. Sur Series X en 2022. Putain de dieu, de dieu, de dieu, de dieu, de dieu. Oh les putains. Putain, mais c'est dingue. Putain, 500€ la console. J'ai payé en octobre 2021 500€ cash pour avoir une CAX et pour jouer à des jeux de Mega Drive et encore Mega Drive, c'était plus beau. Putain, putain. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'était dingue. C'est dingue, c'est dingue. Ah. Allez, passe, on s'en fout, ouais, on s'en fout, allez, passe, ça me gave, allez, ciao, dégage, ça m'énerve, on arrête les conneries. Oui, je vais interrompre, c'est bon, poubelle, direct, allez hop, oh là 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 là, putain, quand même, 2022, série X, 500€, Game Pass, 80, et j'avais dit quoi? J'avais dit 90% du Game Pass c'est de la merde, en étant optimiste et en étant réaliste 95. Non, je vais augmenter le score, hein. C'est 98% du Game Pass c'est de la merde. Putain. Allez, stop, on arrête là les conneries, on peut pas faire quitter là. Oh là là.
bah pour ceux qui veulent, je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. Là, quintessence, objet, voilà, c'est bien. Voilà, écran principal, oui, dégage. Allez hop, on coupe le jeu, on arrête là, c'est bon. C'est... Quel gâchis, putain. Et dire que. Putain, heureusement, moi j'ai le Game Pass ou le Ultimate, je peux l'avoir à un prix défiant toute concurrence, moins cher que sur Instant Gaming, parce que grâce à mon CE, j'ai des bons prix. Donc, ok. Donc 15 euros pour 3 mois, ça va. Ou une carte cadeau, je l'ai à 28 euros pour 50 euros d'achat, donc ça va. Mais putain, ceux qui payent plein pot, c'est de l'arnaque, c'est du vol. Putain, allez, ciao, ciao.